Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le quatrième épisode et sûrement le dernier de cette série découverte sur Yonder. Donc on va continuer un peu notre épopée et on va essayer d'aller continuer un peu la quête. Attendez, qu'est-ce qu'il nous demande déjà de faire? Ah oui, il nous demande des arches et tout. Donc ça, on va pas pouvoir le fabriquer pour le moment. Pierre de sage non plus. En pochon. Trouver de l'aide au village. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parler à Rex. Bah tiens, on va aller essayer d'aller parler à Rex et on va faire la quête principale. Il me semble que c'est la quête principale. Je ne sais plus. J'ai tellement de quêtes que je suis perdu. Donc on va essayer de passer par là. On va bien voir si ça marche. Est-ce que si j'affiche la carte? D'accord. Faudrait que je remonte par là-bas. Ok. Par là-bas, j'ai plein de trucs à faire. Là, c'est quoi ça? C'est des pièges. Ah, c'est des pièges qu'on a pu poser. Donc oui, il faut qu'on remonte par là-bas et qu'on revienne par ici. Ok. On va faire ça. C'est quoi ça? C'est des cailloux, je présume. Ou non, c'est de l'argile, c'est vrai. C'est vrai que c'est de l'argile. Donc là, les herbes, on s'en fout. Pour l'instant, faut qu'on passe par là. Et avec notre petit parapluie, ça me fait délirer. Oh, n'empêche, c'est quand même sympathique le monde. Ce petit monde est sympathique. Il me plaît vraiment. Donc là, on a ramassé une sorte de fleur de lotus. Et on essaye de courir. D'aller vers la maison. C'est peut-être pas par là. Ah ouais, mais non, mais ici, mais c'est vrai. Si, si, si. C'est par là, mais il faut juste que je passe d'abord par ici. Hop, un peu de liane. Là, il n'y avait rien par ici. Et on va passer, du coup, on va continuer. On va aller par ici. Est-ce que lui, on lui avait parlé? Je ne sais plus. Casser des pierres. Ok. Bon, si, si. Ah, si, si. Lui, on lui avait parlé. C'est à l'autre. C'est à l'autre. Il fallait qu'on se dirige par là-bas. Au final, on a fait pas mal d'allers-retours. Ah. Ah oui, c'est vrai, ça c'est l'atelier de menuiserie. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut continuer par là-bas. Il y a au moins plein de miasmes par là-bas. Ah, ça fait un peu peur quand même. Regardez, il y a des trucs par là-bas. Oh! Oh, des renards. Non, c'est pas des renards. Si, ça doit être des renards. J'ai bien une idée. D'accord. Non, c'est pas comme ça. Lequel que ça pourrait être? Ah bah tiens. Et voilà, complètement au hasard. Du coup, on a trouvé la solution. Il y a des renards qui se regardent. Oh, c'est mignon quand même, c'est mignon. C'est classe. Oh, des petits bisous. Ouais, c'est classe. Moi, j'avoue, j'aime bien. Oh, regardez ce lever de soleil. Oh, les montagnes et tout. Regardez, il y a la montagne qui brille là. Il y a sûrement un truc à faire par là-bas. Et nous, on va continuer. Regardez, on va rencontrer un nouveau petit village. Donc, on va y aller et puis on va bien voir. Regardez, c'est quoi ça? C'est des nouvelles créatures? C'est quoi? C'est un sort de truc bizarre. Ok. Il n'y a pas de souci. Si tu veux. Donc là, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc un marchand, on a tout découvert une nouvelle ville. Et on a des quêtes par ici. Salut, petit villageois. Bonjour, vous pourriez peut-être m'aider. Nous devons faire une livraison de bois à la lande du printemps. C'est une bonne affaire. En échange d'un peu de bois, ils nous donnent des planches. Mais je n'ai plus assez de bois. Coupez quelques arbres avec votre hache et apportez-moi 18 morceaux de bois. Ouais, bah. Attendez, il en faut pas beaucoup. Il y a un arbre qui est juste à côté. Donc on va le faire. On a un peu de bois d'avance. Donc tant qu'à faire. Allez, ça va. Faut appuyer plusieurs fois. Toc. Voilà. On en a 23. On est plutôt bien. Donc là, on va pouvoir y aller. On est au 10e jour. Il faut le livrer à Edmond.
Ah, il est par là-bas. Ok, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi, c'est trouver de l'aide au village. Fallait parler à Rex, qui doit se trouver par là-bas. Tiens, il y a une autre quête d'abord, on va la prendre. Oh, un magicien. Enfin, peut-être. Mes enfants ont moins d'ambition qu'un gros flet endormi. Je vais donc les tester à l'aide d'un concours de création de meubles. Si seulement Govad et Gotha pouvaient se dépêcher. J'ai une remise pleine. Enfin, ah d'accord, une remise. Donc, l'entrepôt en gros. J'ai une remise pleine de bois de première qualité pour l'un d'eux. Ok. Et là, je présume qu'il faut que j'aille parler aux deux. Tova est si dure avec nos enfants. Je sais qu'ils font leur mieux. Fabriquer des meubles ne les intéresse pas, c'est tout. J'aimerais montrer à Torva ce qu'ils peuvent faire s'ils s'associent, mais j'ai besoin de vous. Ils sont capables de se rendre Tova fière de leur création. Il leur faut seulement les bons matériaux. Pouvez-vous me les apporter? Elle veut que j'apporte quoi au final parce que... Ok. Pouf, pourquoi père fait-il cela? Je ne veux pas affronter Gotha, je veux réaliser mes propres rêves. Vous pourriez me trouver du duramen, c'est un bois rare qui m'aidera à gagner. Récupérer le bois de l'arbre ronce sauvage au sud-ouest de la lande du printemps. Ok, et... Il n'y a plus que la petite Gotha à parler. Table ou chaise, table ou chaise. Je n'aime pas fabriquer des meubles. Mais si je gagne, je pourrai accomplir mon rêve de concevoir de magnifiques bâtiments. Dites, vous pouvez m'apporter de la menthe dorée? C'est une teinture sublime. Père serait très impressionné. Ok, du coup, maintenant, on a toute une liste de courses à faire. Malheureusement, pour eux. On va pas faire ça tout de suite. On va aller faire ça par là-bas. Et on va aller parler à Rex qui se trouve à l'entrée du village. Je crois que son bateau il fuit. Malheureusement, le ferry ne fonctionne pas aujourd'hui. Lors de la traversée, j'ai remarqué que j'avais les pieds mouillés. J'ai failli couler. Navré. Mais à moins que la guilde des charpentiers ne répare le ferry, je ne peux rien faire. Et du coup, rejoindre la guilde des charpentiers. Ok, faut que j'aille où? Faut que je fasse comment? C'est par où la guilde des charpentiers? Parce que je ne sais pas. Ok. Est-ce qu'il va me dire... Ouais, il me dit tout le temps la même chose. Du coup, j'aimerais bien savoir où est la guilde des charpentiers. Est-ce que si j'affiche la minimap, peut-être que par là-bas il y avait un village là. C'est quoi ça? Ça ne me dit pas d'informations. C'est Pierre des Sages, Bemocha, Quête Pochon. Ok, bah non. En gros, c'est pas indiqué. Ah, il y a les prairies, d'accord. Côte de falaise. Il y a différentes régions, je viens de faire attention. Regardez, ça clignote. Du coup, c'est peut-être par là-bas. Agathe de Bois. Bonjour, voyageurs. Ravi de vous rencontrer. Je suis Agathe Baudois, chef de la guilde. Ah bah, tiens. En temps normal, je vous proposerai de rejoindre la guilde, mais nous avons des clous sur la planche. Oh, le jeu de mots. Accepté? Je savais que vous voudriez rejoindre la guilde des charpentiers depuis le premier jour. Vous avez la charpente. La charpente. La charpente. La charpente pour ça. Très bien, camarade, j'ai une tâche pour vous. Comme vous le savez, le ferry a subi de gros dégâts lorsqu'il s'est échoué. J'aimerais que vous participiez aux réparations. Apportez-moi une boîte de clous et deux planches. Commencez par discuter avec les marchands locaux. Ils vendent nombre d'objets qui sont nécessaires. Ok, d'accord. Il nous faut des clous, donc on va devoir acheter des clous. Et pour ça, il va nous falloir de l'argent. Mais malheureusement, comment qu'on fait pour avoir de l'argent? Des trucs qui se valent cher, de la ficelle. Ah, moins 90%, d'accord. Il y a certains trucs qui valent de l'argent, peut-être, mais pas par ici. Éventuellement, celui-là, minerai de plomb 15. Ouais, mais ça vaut que dalle.
Offre. Non, il m'en faut pas autant, il m'en faut juste un. Ok. Et on appuie sur F pour commercer. À vous, à l'autre. Nickel. Donc on a ça. Et maintenant, il nous faut des planches. Donc on va devoir aller à la carpente, comme j'ai dit tout à l'heure, pour apporter un peu de bois. Donc on va couper d'abord un peu de bois. Je ne sais pas du tout combien j'ai de bois. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais couper deux arbres. Pof. Si j'appuie sur... C'était quoi déjà? Sur table, il me semble. Donc ouais, j'ai 36 rondins, ça devrait être plutôt pas mal. Let's go. Let's go, let's go. Bah tiens, regardez. Là, il y a par contre... Il y a un minerai. On va l'avoir. Bah tiens, du minerai de plomb. C'est plutôt cool. Hop. Je pensais que ça l'aurait fait, mais... par là, il y a quoi? Pas grand-chose. J'ai l'impression que j'entends des chats. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Est-ce qu'on peut grimper là? Non. On peut pas grimper. Il y a l'atelier de charpente qui part là-bas. Non, pas par ici. Et là, il y a du miasme à mort. Donc là, obligé de faire un aller-retour. Pas forcément super intéressant, hein. On ramasse tout ça. Hop là. Voilà. Et lui, il va être content. On va pouvoir lui parler. Edmond. Oh, vous apportez la cargaison de bois, merci. Ça nous aide une grande aide. Voilà, voici des planches pour vous récompenser. C'est bien plus utile que du bois brut. Oh bah nickel. Et en même temps, si jamais je parle à mamie, on va essayer. Donc là, on peut faire deux planches. Ça a été fait? Ouais, j'ai l'impression que ça a été fait. Donc éventuellement, du coup, là il y a un marchand. Ah ouais, regardez. Il y a une zone de minerai. On va aller la récupérer. Toc. Et on va aller vite fait parler au marchand. Voir si, par exemple, il fait des trucs verts. Moins 93%. Là, c'est en vert. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt bénéfique pour moi? Planche sculptée, d'accord. Charbon. Ah non! Donc, si, c'est bénéfique pour moi parce qu'il l'achète moins cher. Ça, c'est cool. Mais non, on n'a pas d'argent. On va aller par là-bas. Hop là, allez, parasol? Ouais, ça fait toujours délirer ça. Et du coup, on va pouvoir livrer le bois. Hop. Et apporter tout ça à Tati Monique. Parasol! Ça me fait délirer à chaque fois, franchement à chaque fois. Et là, il y a un chemin normalement par ici. Ah, faut monter. D'accord. Donc là, faut descendre et apporter les planches et tout à Agathe. Agatha. Agatha. Qui doit être bizarrement se trouver en bas. Qui est descendue au bateau. Non, du coup, je pensais qu'il me disait. Ah oui, mais non. Là, c'est l'endroit de la quête. Mais Agatha, elle est à la guilde des charpentiers, là, sous la tente. Je suis bête. En plus, c'est indiqué avec la petite aiguille qui vous l'indique. Merde, voilà, c'est bon. Vous avez apporté tout ce que je vous ai demandé. Beau travail. Vous serez parfaitement à votre place. Comme une tuile sur un toit. Vous avez prouvé votre talent, vous pouvez donc nous aider à réparer le ferry. Allez sur le quai et allez sur le quai informer Rex que nous commencerons très bientôt. Yeah! Fabriquer l'équivalent de 0 dollars d'objets de charpentier. Nouvelle recette, grosse clôture. Ok, d'accord. On a des kits de charpentier, poutres de bois. D'accord, ça nous donne des quêtes, donc ça c'est intéressant. Enclos de petit animal. Abreuvoir. Putain, c'est cool, on va pouvoir améliorer notre ferme. Carreaux de bois.
Quoi d'autre? Vas-y, enclos de gros animaux, enfin animal. Et c'est tout. Et il y en a que j'ai pas fait attention. Oh, vous participez aux réparations. C'est mon jour de chance. Et là, il va réparer le bateau. Et on va pouvoir aller sous la supervision d'Agathe Baudois, vous réparer le ferry. Merci pour votre aide. Je vous ferai traverser aussi souvent que vous voudrez. Mais prenez garde à ne pas trop approcher du royaume déchu. C'est un endroit maudit. Et voilà. On a notre bateau. Et on va pouvoir aller du coup de l'autre côté de l'île. Ou je ne sais où. Parler à... Ah bah je présume qu'il faut... Attendez. Ouais c'est ça. Il faut aller de l'autre côté. Qu'on va dire à monsieur de... Tous à bord! Ah d'accord. On se TP directement. Au moins c'est bon. Ah non! 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 Je me noie! Glou, glou. Avec mes lunettes là j'ai trop la classe. Et du coup par contre je voulais voir un peu les nouvelles recettes qu'on avait. Ça va être là-dedans. En tailleur, non. Horlogerie, bâtisseur. Charpentier, d'accord. On va vraiment pouvoir devenir laminton. D'accord. Donc ça fait quoi? Un élément de base utilisé pour les charpentiers. Ah bah merde, je l'ai fabriqué. Ah d'accord, il nous faut des kits de charpentier un peu pour tout quoi. Oh, il nous faut de la colle. Et comment qu'on fait de la colle? Est-ce que je peux faire de la colle au moins? Je ne peux pas faire de la colle. Va falloir que j'en achète. Ok. Ah, il nous faudra plus de bois et plus de bateaux. On a fabriqué des kits de charpentier. Tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Et on est dans un nouveau biome un peu plus désertique, rocailleux. On va essayer de voir ce qui s'y passe. Et là, il y a déjà, regardez, des sortes de nouvelles petites créatures. Des nouveaux trucs, des feuilles d'agate et puis de je sais pas quoi. Carrie. Je suis Carrie, la plus experte de tous les experts en animaux de Kemea. Je voyage pour en apprendre le plus possible sur les animaux. Vous me croiserez peut-être lors de vos voyages. Dans ce cas, venez me parler, je serai ravi de vous parler de mes découvertes. Toc, et on va essayer d'ouvrir le passage, mais il nous en faut... Oh putain, 13. Et on va couper cet arbre. Je sens qu'il va nous donner des trucs. Et je sens aussi qu'il est buggé. Une graine de fleur de corail. C'est ça que je voulais avoir. Yes. Je sais pas ce que c'est, à quoi ça sort, hein, à quoi ça sert plutôt. Je le sens bien. Donc non, on peut pas récolter ça. Donc on va grimper là sous ce beau paysage. Regardez des petits oiseaux. Non, des papillons. Oh, et on est dans une tour bizarre. Oh là. Et j'ai l'impression d'entendre encore un chat. Qu'est-ce qui va s'y passer? Aéri, salutations, augure d'esprit. Vos voyages vous ont beaucoup appris. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir. Nous sommes devant l'attrapeur de nuages. Autrefois, véritable prouesse liant les peuples, il empêche désormais la plaie entre les mondes de se refermer. Cette plaie qui s'interpose entre vous et les réponses que vous cherchez est la source de l'obscurité. Fouillez le désert, jeune augure d'esprit. Trouvez le vieil homme oublié du temps, il saura vous montrer la voie. Adieu, augure d'esprit. Vous avez encore un long chemin à parcourir. Ouais! On a une nouvelle quête à faire. On doit parler à papy. Sauf que j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller. Oh bah si, regardez, il y a le chat là. Eh, hey, pâte sablonneuse. Donc là, c'est un chat du désert qu'on a trouvé. Et du coup. Bah du coup, faut, je pense, passer par la zone qui se trouve être ici. Peut-être pas. Je ne sais pas du tout. Donc ça on va ramasser, c'est toujours gratuit, quand c'est gratuit c'est toujours meilleur, c'est ce qu'on dit. Et là il y a un petit point d'interrogation, il y a une zone de miasme et il y a des nouvelles créatures, des sortes de Pokémon là, trop bizarres.
Des phénicornes. Oh, c'est trop mignon. J'en veux dans ma ferme. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ah, yes. Ça, j'ai pas trop compris l'utilité, surtout pour des trucs comme ça. Un shampoing orange. Ok. Et du coup, nous, faut qu'on aille par là-bas. Je sais pas si ça va amener à quelque part, si on va pouvoir y accéder, accéder ou pas au-dessus. Peut-être par là-bas. Non, j'ai pas l'impression. Si, par là-bas, il y a un chemin. Mais est-ce que c'est le chemin qui va nous mener à Papy, au sorcier double? On est dans une grotte. Ok. On peut grimper par au-dessus. Ou on peut continuer par là. Bonne question. Bon, on va continuer par là. De toute façon, on a commencé par ici. Donc, foutu pour foutu. Et j'ai l'impression que ça ne mène à rien. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais je sais pas ce que vous en pensez. On marche, on marche, on marche. On fait des... Un feu d'artifice bleu. Ok. Et oasis d'Akuna. On a trouvé la oasis d'Akuna. Il y a du coup pas grand-chose à faire par ici. Enfin, plutôt à récolter. Et il y a... du miasme et on peut le débloquer. Donc on va le débloquer. Ça se trouve, ça va nous emmener vers Papy le sorcier là. Allez, let's go. J'ai pas compris l'utilité là. Il y a quelque chose que je suis pas, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait, je sais pas. Expliquez-moi parce que là, je vois pas du tout. Ah oui, donc ça c'est des fleurs qu'on peut récolter. Papy se trouve par là-bas. Là, il y a un autre arbre aussi bizarre. On peut pas le couper, par contre. On peut pas le couper. Ouais. Bah alors, Papy, t'es par où? Éventuellement, on peut pêcher. Là, on peut casser. On va voir, on va casser. Si ça se trouve. Ah, ce n'est pas très gentil de massacrer la maison des autres, vous savez. Votre sac à dos a l'air très juste à ma taille. Lui, au moins, vous ne devriez pas le mettre en pièces. Ok, donc on a eu un nouvel esprit. Malheureusement, c'est pas ça que je voulais. Et je sais pas comment trouver Papy. Je ne sais pas comment trouver Papy. Il y a du miasme qui est par là-bas. Et peut-être qu'il y a des licornes ou je ne sais quoi. Non, c'est... Si, c'est ça. Des trucs licornes, là. Là, j'ai l'impression que ça va être trop grand. On va pas pouvoir y aller. On va essayer de débloquer ce passage-là. Mais je sens que ça va être... Ça va pas être... Ah, si, accepté. On est passé à 8, du coup. C'est très bien. Et en plus, on va avoir une veine de charbon ou de je ne sais quoi. Là, on va récolter des lunettes de soleil. Non, mais sérieusement, des lunettes de soleil, quoi. On a chopé du cuivre, un peu de tout. Donc ça perd pas. Mais par contre, le papy, là, je sais pas comment l'avoir. Comment aller lui parler, quoi. Bon, bah, tant pis, tant pis, tant pis. Je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez qu'on continue ou pas un peu cet épisode. Et bah j'y penserai peut-être un petit peu. Je sais pas, je verrai bien parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs de prévu en ce moment, de vidéos à tourner. Et c'est bientôt les vacances, donc il y aura un moment où je serai pas là. Mais bah, le jeu me plaît bien. Moi en tout cas je pense que j'y jouerai sûrement de mon côté. Après, il faudra voir du coup comment que ça va se passer. Mais comment qu'on fait pour aller voir Papy? C'est ça la question. Il y a bien quelque chose que j'ai dû louper. Il y a un passage que je pense qu'il faut. Il y a un passage, un endroit où qu'il faut prendre que j'ai dû me foirer. Ouais, je sais pas.
Non, bah non, je vois pas du tout là. Je sais que c'est par ici, il faudrait passer, mais. Mais je n'arrive pas à monter. Là, il y a des roches, il y a des machins. Mais je ne peux pas monter non plus. Donc c'est quand même fort. Ouais. À moins que j'ai mal fait dès le départ. Non, c'est pas par là. Peut-être que c'est l'endroit où que j'ai pas libéré le miasme et qu'au final, il faut le libérer. Ça doit être sûrement un truc comme ça, je pense. Je pense. Donc dans tous les cas, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas aussi mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé du jeu. Et comment dire, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Et ben non, papy, en plus, papy, il est par là. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bah, par exemple, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà. Des bisous, c'était Soy. Je vous dis du coup à très vite. Et regardez, j'ai trouvé le sorcier. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie encore d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, je remercie les nouveaux venus sur la chaîne, les nouveaux abonnés, même ceux qui viennent et qui regardent régulièrement, qui sont pas forcément abonnés. Ça me fait toujours plaisir. Des bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Soy.